Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà avec une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer un jus simple et surtout rapide. Comme fruit, j'ai choisi la pastèque, bien sûr, vous pouvez très bien choisir un autre fruit pour cette recette. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut du pastèque qu'il faut couper en petits morceaux. Comme ça. Voilà. Et si vous le souhaitez, vous pouvez très bien rajouter d'autres fruits dans la préparation. Et il vous faut un citron, voire plus, si vous aimez le côté un peu acide. Sachant que la pastèque est bien sucrée, vous pouvez très bien en mettre deux citrons si vous voulez. Pour la préparation, je vais commencer par couper le citron que j'ai également épluché. Ensuite, pour récupérer le jus, c'est très simple. Si vous avez un extracteur, vous pouvez très bien l'utiliser. C'est ce que je fais, donc j'utilise souvent parce que c'est plus rapide, tout simplement. Sinon, vous pouvez très bien utiliser un blender. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à passer le jus dans une passoire. L'avantage d'un extracteur, c'est que le jus ne perd pas du tout de ses nutriments, alors qu'avec une centrifugeuse, c'est l'inverse. Il en perd un peu pendant la préparation et surtout, vous êtes obligé de le consommer dans les heures qui suivent. Voilà, le jus est prêt. J'espère en tout cas que cette recette vous a plu. Et je vous conseille vraiment de la refaire chez vous. C'est très bon et surtout, c'est bien rafraîchissant. Si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poser sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao. Voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quelrecette.fr. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes. Et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton partagez pour faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis, à votre famille, etc. À très bientôt. Ciao, ciao.